Allez, bonhomme, il est tard, faut dormir maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé ça? Oh, regarde, c'est toi ça? Mais oui, c'est moi. Et c'est cette petite fille? Regarde bien, tu la reconnais pas? C'est ta maman, la Libération. La Libération? Oui, la Libération, c'est la fin de la guerre et des malheurs. T'as fait la guerre, toi? Hélas, oui, comme beaucoup d'autres. T'étais où? Dans la forêt. Raconte-moi. C'est bien loin, tout ça, tu sais. Allez, papy, s'il te plaît. Tout a commencé au petit matin de l'été 1944. Nous dormions, ta grand-mère et moi, quand soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Paul, qu'est-ce que tu fous là? Faut que parte, Gabi. Chut, tu vas réveiller la petite. Donnez-nous aussi à Loubo, si vous venez de plein air. Hey, Maté. Ma femme, non. Et Luguette, faut-il parler à les chats? Faut-il pas faire autrement, Gabi. Prête tout au phare et va aller où? Nous partons au maquis. T'inquiète pas, Gabi, j'irai chez ta mère. Muguette. Papa va devoir partir un moment, en voyage. Tu prendras soin de maman, d'accord? Allez, nouveau pelletier, Gabi! Qui t'avait dénoncé? Une liste des communistes de Ribérac et de sa région circule à la Gestapo. Bon, je l'attends dehors. Donne-nous des nouvelles, Gabi, s'il te plaît. Et sois prudent. Allez. Faut que tu partes. Il fait déjà jour dehors. Avec le groupe Ebido Eric, que l'on fait dans ce canton. Et Loubo, c'est. Et puis le débarquement, Loubo, c'est son premier. Je vais retarder le moins possible pour donner le temps au Wadja et le Messaï Mondangui. Et puis, Filou, le cuisto. Allez, Filou, le cuisto? Tu couillonnes? Mais ça, il nous sent un éventail, pas l'empoisonner, Loubo, c'est. Bien, bien, vous présentez Bibi, le nouveau recruteur. Adieu. Adieu. Mon commandant, je vous présente Bibi. Il est sur la liste de Ribéra qui vient de nous rejoindre. Bibi, tu as mené une arme? Tu as fait ton service? Non, mon commandant. J'ai un souffle-cœur. Va chez l'armée, il va se rendre pour lui. Bien, mon commandant. Tu fais quoi dans le civil? Je travaille chez Postillon à Ribérac. C'est un bricolo de génie, vous savez. Bon. De toute façon, on a besoin de tout le monde. Tu s'installes. Au fait, c'est passé? 5 sur 5, mon commandant. Bien. Adieu, Claude. Adieu. Hey, Veiki Bibi. Adieu. Adieu. T'as encore repéré, ou?
On plotte, hein. On parle. Et purée. L'ongle est parossi au nom de la chaloporio des trains, sur des palos, dans son color et dans des bas. Et donc, chez yo des tubes, bébé, chez yo des très tout choule, et de n'est pas fallu connaître. Et hey, quoi? Ma pas des beaux là. Ben, les où? Et qu'est-ce qu'on est? Bon, je crois que vous êtes de bas coquet. Attention, je suis content, hein? Merci. Mais, va t'enveillé, le Pierrou. Allez, Valéo. Pierrou, crois que j'ai besoin d'un servant pour ta mitrailleuse. Aïe, l'homme que te faut. Io domani il deco, lo Gestapo ha retto 14 dei nostri camaradi. Pierrot m'a sauvé un balo et il tomba comme son camarade. Et au fait, il mort. Per l'andempei Piero Ruffau. Vous faisiez quoi dans la forêt? Plein de choses. Il fallait de la discipline, tu sais, et bien écouter ce que l'on te disait, comme toi à l'école. Par exemple, nous devions obtenir des informations sur tout et n'importe quoi qui puisse aider les alliés. Les positions de l'ennemi, les centrales électriques, les voies de chemin de fer, les ponts. Les alliés, eux, nous envoyaient des armes, des explosifs et de quoi survivre en attendant le débarquement. Messieurs, je résume. Demain, à 23h45,
Les hommes du major Jean-Pierre vont s'infiltrer par le passage du puits et rentrer à l'intérieur de la cour. À minuit 5, ils devront poser les charges sur le camion. Ils seront pris en charge par le sergent Miguel. Si à minuit 15, il n'y a pas eu d'explosion, l'opération est annulée et tout le monde repart suivant la procédure. C'est compris ? Des questions ? Si. Pourquoi faire péter un camion soi-disant plein d'armes et d'explosifs alors que nous, on n'a presque rien ? Pourquoi ne pas les prendre ? Je sais, mais ce sont les ordres. Des sortes et des merdes, mon commandant. Discutez pas, Miguel. C'est comme ça, d'accord ? Bon. Bonne chance, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Miguel est un guerrier des Asturies. Il a le sang chaud, mais c'est un très bon soldat. Pas de conneries, les petits gars. Vous n'aurez qu'à faire ce qu'on vous dit et tout ira bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été terrible. Le camion était un piège. Les Allemands nous attendaient. Tous les camarades qui y sont allés ont été capturés, torturés et tués. Coquet, c'est un piège. Ils s'en foutent. Mais on punissait ceux qui nous trahissaient ou qui collaboraient avec l'ennemi. Ça collabore ! T'en as tué, toi, des ennemis ? Non, je n'ai pas tué. Mais c'est mieux comme ça. C'est comme ça que j'ai connu cet Allemand. Je me souviens, il s'appelait Hans. Tu connais son nom ? Tu l'as revu ? C'est Miguel qui l'a capturé. Il était courageux, Miguel. Il est où ? Il est où ? Vous êtes complètement malade, mon pauvre vieux ! Ramenez un Allemand dans le camp ! Deux sentinelles, à moins de 4 km du camp, de nos secteurs qui est normalement complètement vide des bâches. Vous ne trouvez pas sa louche, vous, mon commandant ? Vous inquiétez pas, avec moi, il parlera. Et ensuite ? Miguel, c'est moi qui commande et je vous interdis de vous approcher de cet homme. Vous, vous en êtes responsable. Attachez-le et veillez sur lui. C'est ça. On bouge de plus sans nourrir. On penche-le et s'enche-le mort. C'est un ordre. Danke. Bibi. Et toi? Hans. Mange, Hans. Vas-y. Oui, c'est pas terrible. Ça te plaît pas d'être un retour, hein? C'est pas de ton goût, les vaches! C'est le putain. Ils se le merde. Tu vois bien qu'ils sont pauvres bougres, là. C'est ton boche, camarade. Oui, et alors? Ah oui, j'ai oublié. Les cocos et les boches, c'est comme les coups et chemises, hein? Ah oui! Bon, bon, t'as... C'est bon!
venga! Vous êtes les derniers? Si, Piano est mort et nous n'avons plus les mitrailleuses. Qui va là? Mot de passe! Bouge plus, mot de passe! Nein! Nicht zu schießen! Ich bin der Hans! Küche! Küche! Edelmann! Hans! Ja! Faites pas de conneries, Miguel! Oui! Miguel, arrêtez! Ich habe die Küche mitgebracht! Nein! Küche! Ich bin Koch! Du bist Koch? Ja! Ich bin kein Nazi. Lassen Sie mich hier bleiben. Ich will nicht mehr in deutsche Armee zurück. Il est cuisinier. Voilà ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Il n'a pas voulu repartir avec les nazis. Il préfère rester avec nous. Leka. Los. Los. Herr Hans, ich habe einen Brief geschrieben, wo steht, was Sie für uns gemacht haben. Danke. Es gibt auch einen anderen Brief von allen meinen Soldaten untergeschrieben. Sogar von Miguel. Vielen Dank. Un papa formidable. Je ne l'ai jamais revu, mais je n'ai jamais cessé de penser à lui. Cet homme était mon ennemi, il aurait pu me tuer. J'aurais pu le tuer. Mais au lieu de cela, nous avons été des camarades, des amis.